G2A nous régale et nous offre 5 clés de 20 euros pour tout simplement avoir les jeux au meilleur prix, les gars. Regardez, Black Wonking Steam Key Global, 52 euros au lieu de 60 euros. 10 balles, tu me les donnes, je les prends. Sekiro, 29 euros à la place de 60 euros. On prend, on prend, on prend. No Man's Sky à 15 euros au lieu de 54 euros sur Steam. Bah, j'achète. J'achète direct. Elden Ring à 35 euros au lieu de 60 euros. J'achète. C'est-à-dire que tous les jeux, regarde, tous les jeux, voilà, tous les jeux, vous avez des promos. Ça vaut ultra le coup. Faites attention que ce soit bien marqué Steam Key si vous voulez l'activer sur votre compte. Par exemple, là, regardez, le meilleur exemple. Steam Key Global. Donc là, vous pouvez l'activer sur votre compte Steam, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est un Steam Account. Donc vous pourrez, il vous donne un compte Steam avec le jeu dessus directement. GTA, regarde, tu veux te faire un petit GTA? 10 euros au lieu de 30 euros. Donc voilà, G2A, c'est les frérots. Merci à eux. G2A est dispo sur Epic. Ouais, il y a des clés Epic Games. Ouais. Merci à G2A. Et c'est parti. Ah, non, je sais c'est quoi le problème, c'est que j'ai pas assez bu. Ah, c'est bon. Chill, chill. Tout reste sous contrôle quand même. Free game là. Ça t'intéresse pas un géoguesseur? Géoguesseur? Pourquoi? Impeccable. Je pense qu'il me fallait deux games de chauffe en fait, vraiment. Là j'étais trop nul mais tranquille je me réchauffe. Ah j'ai en fait c'est parce que j'ai pas joué hier, c'est je peux pas ne pas jouer en fait. J'ai toujours dit, ça a toujours été, si je fais une pause d'un jour, c'est marrant. Je sais pas pourquoi. C'est un peu relou ça. Hein. Combien de temps ta plus grosse pause? Une semaine. Oh, peut-être. Peu moins, je sais pas. Tu pars pas en vac, non. Vas-y, Eldios, tu m'en diras des nouvelles. Tu le reçois dans 3-4 jours, du coup. J'ai pas le flip, quoi. C'est pour me tuer, là, mon level. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Putain, mais ah. Ah. Oh. De vacances, t'es un bosseur hors pair. On parle pas. On parle pas, on parle pas. J'essaie de pas y penser.
Sur moi, sur moi, sur moi. C'est important de faire des pauses mentales. Ok. Ce qui est important pour autrui ne l'est pas forcément pour tout le monde. Ah, t'as l'impression que ma pause d'hier m'a fait du bien là ou quoi? Pas du tout. Merci Eljose pour les 3 mois de sub, je te remercie beaucoup. Merci, merci, merci. Et d'ailleurs, n'oublie pas, hein, sur Oli, il y a K-Dop, code K-Dop 5 et K-Dop tout court. Ou K-Dop 10, non? Et en dessous de 50 euros, K-Dop 5, c'est mieux. Et K-Dop, code K-Dop ou K-Dop 5. Mais 10%, bah en gros, si tu fais une commande supérieure à 50 euros, ça vaut plus le coup. C'est vrai aussi, mais je pense qu'on doit tous faire des petits breaks à un moment donné. Peut-être que c'est pas encore arrivé pour toi. J'irai pas loin, mais la vie est un break, hein, si tu veux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non mais je vais finir en plus 50 les gars. Vous savez. Allez, c'est parti. Allez. Ok, allez, faut que je vienne. Allez, allez. La dernière fois avec Chris Fox, on a farm tout le monde. Je vois pas pourquoi je farmerais pas Zen et Itachi. Ah, c'est de fou qu'il vient de faire même. Ah, il a fait une vraie save, putain. Non, mais j'ai rien à perdre sur cette game à part moins 2 et il y a un bon plus 17 à gagner donc. Chill. Chill, chill, chill. Tu vois avec Chris Fox, on se... Oula. Oula, quand même tenter des trucs comme ça, ça me fait toujours peur. J'ai cru que ça allait passer. Dommage. Bon, pour l'instant, ça se passe très très bien. Et oui, bah oui, un jeu. Allez, 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 je gagne celle-là, les gars. Ok, il va peut-être faire la mettre direct, je sais pas. Il faut marquer le break là. Bien joué. Oh mais c'est un plus 16 là que je vais me taper du coup. Voilà, voilà. Allez, on remonte tout ça. Allez. Les games les plus durs sont parfois les plus gagnables. C'est pour ça, c'est... Le cap, on a le boost. Il se fait que franchement, à chaque fois qu'il y a de la duke en face, on se fait rarement farm, mais en tout cas c'est des bonnes games. Juste là, on a... Voilà. C'est mes games de chauffe, mais non. Pour une légende, non? Attends, je vais me faire comeback comme jamais, mais. Oh putain, j'étais sûr qu'il l'avait.
Ah ouais, j'étais sûr qu'il l'avait affiché. C'est chaud. Ah, je fais le con. Ah, j'ai fait l'énorme connard. My bad. Oh, je joue mal ce soir. Je joue pour l'instant. Pas du tout fluide. Aucune sensace. Il n'y a que mon intelligence là qui peut me sauver. Hein. Bordel, alors t'es fini toi. Oh dommage, putain. Ok. Ouais, Rissox a très très bien géré la situation. Il a fake de ouf. Même moi il a fait une fake. Du 10. Merci Finish pour le compliment. Vous voyez mon intelligence là, le tir est facile, mais il fallait avoir l'idée d'y aller. Ça, ça fait chier. Bon, je l'ai bien calé, hein. Impeccable. Ah, seulement il avait pré-shot. Ok, c'est bien, c'est bien. Ça c'est moins bien. C'est bien, c'est bien. Allez, 30 secondes. Je marque le break là. Impeccable ça. Ça gagne 10 secondes là. Belle passe. GG. Le fake de fou. Plus 17. Big plus 17 les gars. Boom. Ok. Go. De crêpes ou... Oh putain, à l'époque je mangeais que ça, des crêpes ou... Que ça. Et mec, du jour au lendemain, je peux plus en manger une, quoi. Pourtant, j'adore les crêpes, mais... Je peux plus me les blairer, ces trucs. Alors que pourtant... J'ai toujours kiffé. J'en ai trop mangé, en fait. Et ouais. Alors que j'adore les crêpes, hein. Et j'adore toujours les crêpes, hein. Mais juste les crêpes waouh, ça, je peux plus. Comment j'adore ça. L'été, là, quand le chocolat est fondé un peu à l'intérieur de la... Ah là là, la masterclass de ouf. Ah, y a des trucs comme ça dans la vie, t'en bouffes trop et c'est pas... En fait, une crêpe tout le temps, entre guillemets, hein, de qualité, bah tu, évidemment, tu vois, là... Tu peux pas ne pas l'aimer qu'il y a des trucs un peu... space, en vrai, une crêpe au bout, c'est un peu space.
quel con. Je... C'est bon les toxiques. Il reste AFK le ref. Et oui les gars, il faut se rappeler que maintenant on a grandi. Non. Le top type sucre ou salé, les deux. En fait, il y a trop de gens qui veulent te dire team. Non, les deux. Moi j'adore le sucré, j'adore le salé. Moi c'est entrée, plat, dessert. T'auras d'autres trucs à changer sur la tête tant qu'on y sera. Pff, attends frérot, je vais pas faire un live. En fait, il faut que je change aussi les leviers, mais attends, faut que je me couche tôt quand même. Faut que je change les leviers aussi de vitesse. Oh, de vitesse. De frein et d'embrayage. De vitesse. Pourquoi choisir? On peut profiter de ces deux bangers. Ah ouais. Il y a des gens vraiment, mais un dessert pour eux, c'est pas bon quoi. Moi tu vois par contre j'avoue en dessert et je trouve ça ultra surcoté hein, c'est la glace. Je trouve que les glaces j'ai jamais été fan de glace et je serai jamais je crois. Alors tu vois un cône ou quoi je vais kiffer ou un petit magnum ou mais ouais si j'ai le choix entre un truc les glaces c'est ultra surcoté quoi. Après évidemment bah, quand quelqu'un te pose un magnum et que t'as que ça bah tu prends un magnum même chez moi j'en ai des magnums. C'est sympa, mais genre quand t'as le choix entre des dingueries, tu vas pas prendre une boule de glace, quoi. Ou un même tout ce qui est toutes les glaces un peu renommées, là, les bananas speed, tous ces trucs-là. Ouais, c'est cool, mais enfin, ça reste de la glace avec de la banane, quoi, s'il te plaît. Ah, le café gourmand, mais ça, c'est vraiment une dingue, ça. Chaque fois, moi. C'est qu'il passe trop bien le café gourmand putain quand t'es vraiment pas après bon des fois il y en a ils sont big mais même en étant big vu que tu manges plein de trucs différents ça passe tellement mieux. C'est vrai que des fois une gaufre ou quoi ou une crêpe après ou un autre dessert après ton repas plus l'entrée pas pris des escargots quoi. Seul défaut des escargots en entrée c'est que c'est que ah putain c'est que ça c'est franchement ça cale d'ouf. Il y a du pain, la sauce. Ah oui non mais les escargots c'est incroyable hein. Non putain vas-y absolument. On fait le connard. Oh ouais les escargots, ça fait longtemps que je la fous que je m'en fasse là. Tellement incroyable les escargots. Surtout si tu te fais chier à faire une petite présentation avec les petits pains. Vraiment les vrais, enfin les vrais escargots. Vraiment dans un truc dur là. Tu les fais carrément cuire dedans direct comme ça. Voilà, oh oh j'ai vraiment le seum. Genre j'ai pas bump là. Putain son rush casse il était motivé. Allez il se fait que c'est le moment. Allez. Bien joué. C'est 5 edge là. D'ailleurs, faut retrouver le mec qui m'avait dit qu'il allait peut-être régler le problème.
en USB-C. Mais non, connard, là, ce que je viens de faire. Oui, bon, c'est tout son boost, c'est sûr. Merci Access pour les 22 mois de sub. J'y vais. Bon comeback. C'est que je commencerai presque à caguer là.